je viens de me réveiller. Oh, wow, la nuit a été très très courte. Mais hey, qu'est-ce que j'entends là, les gars? Mais attendez, c'est moi où on entend Vlad et Nicky se disputer? Mais ça vient d'où, ça? Ça me réveille en plus. Oh, attendez. Mais il est 3h du matin, je crois. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe par là? Ouais, il va bien Vlad et Nicky au bout de ma rue. Qu'est-ce qui se passe? Je vois même carrément qu'il y a les jumeaux diaboliques de Vlad et Nicky même. Oh, 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 la dinguerie. Chut, chut. Non, ce sont nous les vrais Vlad et Nicky. Non, ce sont nous les vrais Vlad et Nicky. Vous êtes des imposteurs. Non, ce sont vous les imposteurs. Arrêtez de dire que des conneries. Bande de gros menteurs et losers. Mais c'est plutôt vous, là. Arrêtez de mentir. C'est pas bien ce que vous faites. C'est vous les grands menteurs. Vous faites que mentir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça suffit maintenant. Arrêtez de tromper nos abonnés. Arrêtez de vous faire passer pour nous. Stop. Allez, n'importe quoi. Ça suffit maintenant, arrêtez de dire n'importe quoi, c'est vous les gros mythos. D'abord je vais le dire à ma maman, vous avez pas le droit de faire ça. Vous n'êtes même pas réel, bande d'imposteurs. Stop maintenant, ça suffit, il est temps de s'arrêter là. Mais c'est du sérieux les gars, tout se passe en bas de chez moi. Oh mais attendez, mais il y a carrément les jumeaux diaboliques de Vlad et Nicky. Hey, oh les gars, attendez, stop, stop, arrêtez de vous disputer. Mais attendez, pourquoi vous êtes quatre? Vous êtes qui vous? En fait, ce sont nos foutus jumeaux diaboliques. Waouh, 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 attendez, quoi, c'est véritablement vos jumeaux diaboliques? Mais attendez, mais lequel est le vrai, lequel est le faux? Désolé, je vous avoue, je suis complètement perdu là. Et donnez-moi des explications, quoi. Vous vous trompez, vous faites erreur. Je suis désolée, c'est du grand n'importe quoi. C'est d'abord vous, les gros menteurs. Non, mais je suis désolée, là, c'est grave. De toute façon, nous allons vous dénoncer à la police pour avoir volé notre identité. Mais non, vous avez pas le droit de faire ça. Non, mais vous êtes pas sérieux, vous nous pourrissez la vie. Oh là là, mon dieu, non mais les gars, je n'arrive même pas à différencier le vrai du faux, je ne vois même plus qui est le Vlad et Nicky normal ou Vlad et Nicky diabolique, je suis perdu les gars. Et... oh, mon téléphone il sonne, mon téléphone, il est dans la poche, allez, laissez-moi vérifier ça. Et... oh, Blippi, tiens, tiens, les gars, Blippi qui m'appelle. Allez, je vais répondre, hey, allô Blippi, oh là là, hey, tu m'appelles au mauvais moment, je suis au milieu d'un gros gros problème. Les Vlad et Nicky diaboliques se sont introduits dans ma maison et ont tout volé chez moi. Quoi? Eh non non, attendez, sérieux les gars, laissez-moi parler maintenant. Qui c'est qui a volé? Alors ça c'est sûr que c'est eux. Regardez-moi ces imposteurs. Pas du tout. Mensonge. C'est plutôt eux là. Regarde, je pense que c'est les frères Vlad Nicky diaboliques. Ok. Mais comment ils ont pu faire? Qu'est-ce qui s'est passé, Blippi? Explique-moi! En fait, ils se sont introduits dans ma maison en cassant la porte d'entrée. Ils m'ont attaché et ligoté et ils ont tout volé dans ma maison. Oh mon dieu! Oh oui! Ah ouais, d'accord, je comprends mieux! Eh bien, tu sais quoi, Blippi? On va pas se laisser faire. Je vais t'aider à retrouver tout ce dont tu as été victime de vol. D'accord, Blippi? Je m'occupe de tout et t'inquiète pas. Oh les gars, maintenant je veux des réponses. Celui qui a tout volé chez Blippi doit se dénoncer maintenant, maintenant tout de suite! Hé! Hey, revenez ici! Revenez ici! Hé, hey, oh! Non! Oh, ils sont partis! Ils ont pris la fuite! Aïe, 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 aïe! Ce sont de sacrés lascars, moi je vous le dis, moi! Hey. Attendez, pourquoi est-ce que maintenant j'entends sonner à la porte? Ils sont maintenant plus devant ma fenêtre, je crois que maintenant ils sont devant ma porte! Et non, je vais pas les laisser rentrer! Ils veulent sûrement s'introduire dans la maison! Je n'ai pas envie de subir le même sort que Blippi, les gars! Ils ont tout volé dans la maison de chez Blippi! Et je pense qu'ils veulent faire pareil pour moi! Oh non! Je devrais, je pense, verrouiller toutes les portes et toutes les entrées de ma maison! Et je devrais empêcher les Vlad et Nicky diaboliques de s'introduire chez moi! Non, oui! Attendez, non mais sérieux, les gars, je pensais vraiment, mais vraiment pas qu'il pouvait y avoir une version diabolique des Vlad et Nicky! En plus, les gars, dans leur vidéo, ce sont de bons gamins! Mais ouais! Ils sont pas méchants, ils feraient même pas de mal à une mouche, quoi! Non. Bon, ok, les gars, vous savez quoi? Ça va être simple, nous allons enquêter sur ce fameux phénomène des jumeaux diaboliques de Vlad et Nicky! Parce que là, le problème, en fait, c'est qu'on a même
pas réussi à différencier les Vlad et Nikki normales aux Vlad et Nikki diaboliques. Et ça, c'est pas bon du tout, les gars. On va revoir tout ça, on va réviser tout ça ensemble. Et pour ce faire, je me suis muni de mon ordinateur et on va regarder et analyser certaines des vidéos de Vlad et Nikki pour essayer de trouver le vrai des Vlad et Nikki du faux. Moi, je voudrais surtout retrouver la version de Vlad et Nikki diabolique sur l'une de leurs vidéos. Et puis, juste après tout ça, les gars, on va s'équiper du drone et on va survoler tout partout. Parce que je vous assure, les gars, les Vlad et Nikki diaboliques sont dangereux. Il faut les garder sous surveillance. On va les surveiller avec le drone. Allez, let's go. Let's go. Là, je vous le dis, j'ai simplement lancé leur dernière vidéo qu'ils ont publiée très très récemment. Et là, bon. Oh bah voilà, bah regardez, voilà qu'on voit Vlad et puis Nikki, mais ils sont simplement en train de jouer aux policiers. Bah voilà. Mais les gars, il faut le dire, il faut le dire, ils n'ont rien de diabolique. Ils ont l'air tous les deux complètement innocents, les gars. Non mais sérieusement. Oh bah regardez, le policier a besoin de repos, il a trop travaillé le policier. Non mais sérieux, oh. Qui c'est que celui-là? Oh tiens tiens. Ah bah ça c'est peut-être probablement Vlad ou Nikki, mais diabolique, qui s'est déguisé pour pas qu'on l'aperçoive. Et surtout pour pas qu'on sache que c'est la version diabolique. Ah tiens tiens, ça c'est possible. C'est peut-être ça, les gars. Ça serait pas déconnant. Mais continuons à enquêter ensemble, je pense qu'on est sur la bonne piste. Et... Oh attendez, attendez, attendez. Je ferme mon ordinateur. C'était quoi ce bruit, les gars? Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Oh, wow, 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 wow. Attention, attention, les gars, je crois bien que quelqu'un est passé par devant de la fenêtre. En tout cas, là, je crains le pire, je crains le pire, je sais pas quoi faire. Laissez-moi aller vérifier. Attends, mais ils traînent encore devant chez moi, les gars. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Non. Ok, les gars, je vous assure que je vais bien, bien laisser mes fenêtres et mes portes fermées. De toute façon, s'il se passe quoi que ce soit, tout est filmé, tout est enregistré. Et attendez, attendez, attendez. Oh. Oh. Je vais ouvrir la fenêtre, je vais ouvrir la fenêtre, les gars. On les entend, on les entend. Son bonnet, son nœud papillon, ses bretelles, ses chaussures, tout ce qu'il faut. Bien joué, ça. Alors là, je peux te le dire que là, Blippi, il est plumé. Oh, je ferme la fenêtre, je ferme la fenêtre. Vous avez entendu? On a tous entendu là, les gars. Ça nous a clairement permis d'entendre toute leur conversation. Ils ont clairement parlé de la façon dont ils se sont introduits dans la maison de Blippi. Et on va tout de suite appeler Blippi, on va tout lui expliquer. Je vais l'appeler tout de suite, tout de suite, tout de suite. Allez Blippi, Blippi, allez réponds, réponds tout de suite. Allez Blippi, réponds. Allô, dis-moi, t'as des nouvelles? Alors, écoute-moi, Blippi. Là, c'est sérieux, c'est très sérieux. Oh, dis-toi que j'ai surpris les Vlad et Nikki diaboliques. Ils étaient littéralement devant ma rue, côté de ma fenêtre. Et je les ai surpris en train de parler de tout ce qu'ils ont pu voler dans ta maison. Alors, écoute-moi, ils t'ont volé ton bonnet, ton nœud papillon, tes bretelles et même ta caméra pour faire tes vidéos. Écoute-moi bien, comme je te l'ai dit, on va tout faire pour retrouver tout ce qu'ils ont pu te voler. On va pas se laisser faire, d'accord? Aïe aïe aïe, pauvre Blippi. Non, 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 voilà les gars, il vient de raccrocher. Il est très 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 triste. Là pour le coup, je peux pas laisser la Blippi comme ça dans cette situation. On est obligé de l'aider, on va l'aider. Et bon bah ça y est les gars, let's go. J'ai pris la voiture, j'ai pris mon drone. Je me suis équipé de tout ce qu'il me fallait les gars. Et je vous le dis, la situation est critique. Là les gars, mon drone est prêt. Le drone est déjà opérationnel. Et hop hop hop, regardez, je me trouve déjà tout juste au-dessus du McDonald's. Et oui, les gars, on va d'abord tout juste survoler tout le McDonald's. Mais là, je vous le dis, on va surtout se concentrer sur le parking du McDonald's. Oui, oui, tout le parking, les gars. On va tout scruter partout de partout. Mais attendez, mais... Oh, ouais, ouais, oui. Oui, 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 oui. Ok, let's go. Là, je vous le dis, je crois qu'on a la main sur les frères Vlad et Nikki. On les tient. Et surtout que là, je peux vous le dire, on n'a pas vraiment affaire à Vlad et Nikki ordinaire. Mais là, c'est véritablement Vlad et Nikki diabolique. Oh, là, les gars, je suis surexcité. Non, mais là, on a véritablement affaire à la version diabolique. C'est pas comme d'habitude. Oh, ça fout la pression. On va les suivre, on va les suivre. Oh, 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 oh.
tranquille. Tranquille. Oh là, je crois qu'ils n'ont pas l'air d'apprécier la venue du drone. Non. Mais en plus, les gars, je veux vous dire que là, dès maintenant, je peux faire la différence entre les Vladeniki maléfiques et les Vladeniki normales. C'est simple. En fait, ils ont des larmes de sang qui coulent de leurs yeux. Je ne sais pas si vous le remarquez, les gars, mais c'est flagrant. C'est terrifiant. C'est surtout terrifiant. Et c'est surtout qu'ils sont hyper dangereux. Ça veut dire qu'avec le drone, il faut que je prenne un maximum de précautions. Oh, ils sont en colère. Ils sont très en colère. Aïe. Non, mais là, vous remarquez, ils sont complètement déchaînés. Je vous le dis, ils seraient même capables de détruire mon drone en un coup. C'est pour ça que là, je vais garder mes distances et je vais essayer de garder une altitude suffisante pour pas qu'ils puissent atteindre mon drone. Là, ils peuvent rien me faire. Ils sont frustrés, on dirait. Ils sont carrément frustrés parce qu'ils peuvent pas m'atteindre. Ils peuvent rien faire à mon drone. Et ils prennent la fuite. Bah oui, ils s'enfuient. Je crois qu'ils prennent la fuite, les gars. Ils ont pas d'autre choix que de prendre la fuite. les gars. Loser. c'est le drone qui gagne. Bien sûr que oui, les gars. Oh, et puis attendez, en plus, je crois que j'ai même remarqué qu'ils ont laissé traîner leurs affaires. Ils ont carrément oublié de récupérer leur sac. Mais... Alors là, les gars, je suis mort de rire. Ils ont carrément paniqué. Ils ont même laissé leur sac par terre. Oh, franchement, c'est hilarant, les gars. Attendez, vous savez quoi? Je vais carrément aller récupérer le sac. Oui. Ça serait bien intéressant de savoir ce qu'on peut y retrouver dedans. Attendez, je cours en plein milieu du parking. Et oui, de toute façon, ils sont partis, donc on peut faire ce qu'on veut maintenant. Attendez, c'était à côté du Starbucks. C'était juste à côté, là, c'est où c'est... Là, attends, ah bah là, juste là, par terre, les gars, regardez. Ils l'ont laissé par terre, ils sont partis sans le récupérer. Et bah, c'est moi que je vais le récupérer maintenant. Et bah oui. Et les gars, on retourne la voiture et on va bien voir ce qu'on peut y retrouver, là, dans ce sac, les gars. Let's go. Et allez, je suis retourné à la voiture, les gars. Et regardez, on a véritablement le sac que les Vlad et Nicky Diaboliques ont laissé sur le parking. Les gars, attendez, mais qu'est-ce qu'on peut y retrouver là-dedans? C'est ça le plus intéressant, les gars. Oui. Je le secoue. Oh, y'a plein de trucs là-dedans. Non, mais les gars. Oh, qu'est-ce qu'on y retrouve? Non. Mais les gars, je veux vous rappeler que je crois que c'est les bretelles de Blippi. Oui. Les lunettes de Blippi. Oh mon dieu, là j'ai le style à la Blippi, c'est incroyable. Attendez, non, plus sérieusement, les gars, je crois qu'on n'est pas au bout de notre surprise. Non, mais sérieux, attends. Oh, non, les gars. Oh, regardez ce que j'y retrouve. Le nœud papillon de Blippi. Mais oui, c'est la pièce de son costume. Non, mais alors là, les gars, c'est une dinguerie. Ça, je crois bien qu'on a retrouvé tous les éléments qui ont été volés à Blippi. Bah oui, mais attendez, mais qu'est-ce qu'on a là d'autre? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est quoi ça? Les gars, qu'est-ce... Hey! Non, quoi? Mais c'est une poupée vaudou! Yo, une poupée vaudou! Ça veut dire quoi, ça? Non, mais les gars, réfléchissez dans votre tête, là! C'est simple! Je crois bien que les Vlad et Nicky maléfiques voulaient faire du vaudou sur Blippi pour lui faire du mal! C'est sûr, les gars, attendez, mais y a même encore plein de trucs! Y a des... Oh, mais les gars, y a plein d'éléments vaudou! C'est quoi, ça? Oh, les gars, une fiole, je viens de retrouver une fiole! Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, c'est écrit du sang humain. Quoi? Attendez, mais c'est une blague! Mais les gars, regardez, du sang humain! Oh mon dieu! Mais les gars, là, il n'y a aucun doute, c'était véritablement de la sorcellerie vaudou pour faire du mal à Blippi. Oh là là, non, je peux pas le croire! Non mais les gars, je vous le dis, mais les Vlad et Nicky maléfiques pratiquent du vaudou pour faire du mal à tout le monde. Attendez, je prends mon téléphone et on va appeler Blippi. Bah bien sûr, les gars! Réponds, allez, dépêche-toi, c'est urgent, Blippi! Ouais, Blippi, alors là, je t'appelle parce que j'ai de bonnes nouvelles. Déjà, on a retrouvé tous les éléments qui ont été volés. Oui, on a tout retrouvé. Mais d'abord, est-ce que tu as retrouvé mon bonnet? Oui, enfin, on a presque tout retrouvé, quoi. Mais d'abord, Blippi, le pire que tu dois savoir, là, maintenant, c'est qu'ils ont même fait une tentative de faire du vaudou sur toi. Quoi? Sérieux? Ils voulaient faire du vaudou sur moi? Oh non, alors là, je peux pas laisser faire. Écoute, tu sais quoi? Je vais me venger personnellement. Oui. Oh, wow, il vient carrément de raccrocher. Il est en colère. Oh,
Blippi compte se venger. Eh oui. Bon bah vous savez quoi, pour les prochaines heures et pour les prochains jours, restez bien bien connectés sur la chaîne YouTube, parce que là les choses risquent de très très mal se terminer les gars. Et vous savez quoi, maintenant on se retrouve le lendemain. Je serai toujours et encore équipé de mon drone et on va rester auprès de Vlad, d'Eniki et de Blippi pour ne rien rater de la suite des événements. Let's go. Avec Vlad et Nikki. C'est pas bien. C'est pas bien du tout, Blippi. Non. Oh, oh, tiens. Oh, ouais, les gars, je prends la caméra en main aujourd'hui parce que là, je vous le dis, oh, je viens de faire un méga cauchemar. Ça m'a bouleversé, les gars. Oui. Et dans mon cauchemar, ce qui se passe, c'est que j'avais Blippi qui se serait battu contre Vlad et Nikki. Et alors, dans mes rêves, les gars, dans mon cauchemar, bah, tout ça se serait déroulé au parc. Oui, au parc, les gars. Et vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est que je vais me préparer et puis on va aller en direction du parc, les gars. On va bel et bien aller vérifier s'il y a véritablement un conflit entre les youtubeurs Vlad et Nikki et Blippi. Oui, oui. Et bon, vous savez quoi, je vais m'équiper de mon drone, bien sûr. Et oui, regardez ça, j'ai mon drone, les gars. Et avec mon drone, on va aller jusqu'au parc, parce que c'est là où ils ont été repérés dans mon rêve, les gars. Allez, c'est parti, on perd pas de temps et let's go. Bon, bah ça y est, les gars, je suis équipé. Et j'ai directement envoyé mon drone dans les airs, les gars. Exactement au niveau du parc, comme je vous l'avais dit. Et c'est toute cette zone qu'on va survoler. Oui, 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 je vous le dis, je suis en train de quadriller toute la zone. Laissez-moi juste essayer de contrôler mon altitude, les gars. Regardez, là je me trouve tout juste à côté du City Stade. Hé, oh, là, regardez. Attendez, si je zoome, je... Hey, non. Oh, Vlad et Nikki, ils sont là. Ouais, vous le voyez bien, les gars. Vlad et Nikki sont aux abords du City Stade. Et voilà les vedettes de YouTube, les gars. Ah, franchement, ça fait toujours un plaisir de les retrouver avec le drone. Ouh, je sais pas pourquoi, les gars. Je vous le dis, je commence un petit peu à stresser. Un petit peu, les gars. Parce que imaginez-vous simplement qu'il y ait l'arrivée de Blippi, là. Ce serait véritablement comme dans mon cauchemar. Et le conflit pourrait éclater. Non. Aïe, aïe, je crains le pire. Je crains le pire, vraiment. Enfin, en tout cas, là, je crois qu'ils sont probablement en train peut-être de faire une vidéo YouTube. Oh, ça serait la folie, ça serait incroyable. Oh, je suis trop content, les gars. Mais je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont véritablement en train de faire une vidéo de basket, les gars. Et ouais, j'ai l'impression que là, c'est l'entraînement. Ça, c'est en train d'envoyer des petits paniers et tout. C'est pas méchant, les gars. Et... Ah, oh, Blippi. Les gars, Blippi, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fout là, Blippi? Alors là, c'est véritablement comme dans mon cauchemar. Ah, non. Qu'est-ce qui se passe? Mais non. Il vient littéralement de s'en prendre à Vlad et à Nikki. Il a pas le droit de faire ça. En plus, il est trop nul. Il arrive même pas à mettre un panier. Bah, t'es trop nul, Blippi. T'es nul. Désolé, mais là, c'est Blippi qui cherche les conflits. Et oui, et c'est lui qui cherche les problèmes. Ah, bah, oh, regardez, il est en train de chasser Vlad et Nikki. Mais oh, mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête, les gars? Mais ça y est, je sais, j'ai compris, les gars. Je crois qu'il les empêche de faire leurs vidéos. Et ouais, Vlad et Nikki, ce sont le concurrent de Blippi. Mais regardez, mais Blippi est complètement prêt à tout pour se débarrasser de la concurrence. Regardez là, en plus, Vlad et Nikki repartent en courant. Ils repartent en courant. Oh, mais c'est carrément surprenant. Oh, mais regardez Blippi. Mais Blippi est véritablement en train de les chasser du parc. Blippi est prêt à tout pour les empêcher de produire leurs vidéos. Mais oui. Oh, mais franchement, il a pas le droit. Non, mais là, les gars, je vous le dis, Blippi, il a pas le droit. Attendez, je prends mon téléphone, les gars. Oui, oui, je prends mon téléphone et je vais appeler Vlad et Nikki. Je vais leur demander ce qui se passe. Je vais les appeler. On va essayer d'avoir plus de précision. Je les appelle. Oh, oh, les gars, je suis en train véritablement d'appeler Vlad et Nikki tout de suite. De suite. Allez, répondez s'il vous plaît. Oh, j'espère que Blippi ne va pas leur faire de mal. Non, mais là, ça serait grave. Ça serait beaucoup trop grave. Allez, allô, allô, Vlad, Nikki, qui est-ce que j'ai au téléphone là? Hey, c'est moi, Vlad. Il y a un problème. Il y a Blippi qui nous empêche de faire notre vidéo YouTube. C'est horrible. Il fait que de nous harceler. Oh, vous entendez ça, les gars? Mais Vlad et Nikki sont en détresse. Blippi est carrément en train de les harceler. Mais il est pas sérieux. Écoutez-moi, les frères, Vlad et Nikki, essayez de faire. Essayez de vous débarrasser de Blippi. Faites comme vous le pouvez, mais essayez de vous enfuir. Mais Robtek, c'est ce qu'on essaye de faire depuis tout à l'heure, mais là, il nous a suivis jusqu'au McDonald's. Au McDo? Au McDo, juste à côté du City Stade? Oui, 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 c'est bien ça, à côté du City Stade. Il veut plus nous lâcher. Quoi? Vous entendez ça, les gars? Mais tout se déroulerait dès maintenant autour du McDonald's. Bon, d'accord, Vlad et Nikki, ne vous laissez pas faire. Surtout, ne vous laissez pas faire. Hé, hey, oh, ça a raccroché? Mais les gars, ça a carrément raccroché.
Mais quoi? Oh non, non, mais ils sont en détresse. Ils sont complètement en détresse et apparemment tout se déroulerait au niveau du McDonald's. Mais ok, je reprends mon drone. Je reprends le contrôle, les gars. Allez, à fond les ballons, les gars. J'y suis. Ok, j'y suis au McDonald's. Alors maintenant, laissez-moi essayer de repérer Blippi. Pour l'instant, rien à signaler, les gars. Je me trouve tout simplement devant le McDo. Allez, maintenant, laissez-moi me mettre à la recherche de Blippi ou bien de Vlad et Nikki. Ou peut-être qu'ils sont à l'intérieur du McDonald's. Et là, là, les gars, Blippi sort du McDonald's. Blippi vient tout juste de sortir du McDonald's. On le voit, on va le surveiller, les gars. On va bien bien le surveiller. Je vais zoomer, je vais carrément zoomer. Ouais, oh, attendez, je crois que Blippi s'est commandé un menu Happy Meal. Je peux bien remarquer qu'il a un menu Happy Meal dans les mains. Je sais pas pourquoi là comme ça, les gars, mais ça sent mauvais. Je crois qu'actuellement au McDonald's, il y a la collaboration avec le Happy Meal Vlad et Nikki. Et c'est ce que Blippi a commandé. Je crois qu'il a véritablement commandé le Happy Meal Vlad et Nikki. Ça c'est possible, les gars, je vous le dis. Mais bah, pourquoi est-ce qu'il commanderait le Happy Meal Vlad et Nikki alors qu'il les déteste? C'est ça la question, les gars. Attendez, mais que fait Blippi là, les gars? Mais vous le voyez? Mais pourquoi est-ce qu'il se cache dans les buissons avec le menu Happy Meal? Qu'est-ce qu'il prépare? Aïe 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 aïe, je crois qu'il fait des bêtises. Je le surveille et je le surveille avec mon drone. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il est en train de trafiquer, les gars? On voit qu'il est en train de verser un genre de produit dans le Happy Meal. Mais je crois que... c'est trop bizarre, c'est trop trop bizarre là ce qui se passe. Mais il est probablement en train peut-être d'empoisonner le menu. Oh, si c'est ça, c'est grave. Si c'est ça, c'est trop trop grave, les gars. Si... Ah là, c'est abusé, c'est trop abusé. Non, attendez, non. Je vais prévenir Vlad Nikki. Je vais prévenir Vlad Nikki. Je les appelle, je vais les rappeler. Je vais les rappeler et je vais leur dire qu'il se passe quelque chose de très très grave. Je crains que Blippi aurait trafiqué le menu Happy Meal. Allô? Allô, Vlad, Nikki, écoutez-moi, je crois que Blippi aurait vilainement trafiqué votre menu Happy Meal. Oui, oui, on le sait, il est actuellement en train d'empoisonner tous les menus Happy Meal. Quoi? C'est sérieux? Blippi empoisonne tous les menus Happy Meal? Oh, faut les jeter à la poubelle, faut tout jeter à la poubelle. Écoutez-moi, Vlad et Nikki, il faut jeter à la poubelle tous les menus empoisonnés, d'accord? Et il faut se dépêcher avant même qu'il y ait des enfants qui s'empoisonnent. Ok, Rotek, t'inquiète pas, tu peux compter sur nous, on s'occupe de tout. Ok, 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 d'accord, je compte sur vous. Ok, attends, attends. Les gars, je reprends le contrôle de mon drone. Et là, j'espère que Vlad et Nikki vont être efficaces. Il faut jeter tous les menus empoisonnés à la poubelle. Oh, là, regardez, Vlad et Nikki, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils viennent de jeter un menu à la poubelle. Ok, attendez les gars, vous savez quoi? Ce que je vais faire moi, c'est que je vais me rendre jusqu'au McDonald's. Je vais aller fouiller dans la poubelle, je vais récupérer le menu. Et on va bien voir ce que Blippi a vilainement trafiqué. D'accord les gars, on se retrouve tout de suite au McDonald's. Let's go. Bon, et bien les gars, je vous le dis, j'ai pris la voiture et je suis déjà aux abords du McDonald's. Et oui, regardez les gars, je suis aux abords du McDo déjà. Là, je vous dis, je vais devoir aller fouiller les poubelles. Oui, oui les gars. En tout cas, ma curiosité n'a aucune limite. Je vais vraiment, vraiment aller fouiller les poubelles. Allez, venez avec moi, je retire ma ceinture de sécurité. Allez, on y va les gars. En attendant, grâce au drone, on a bien pu repérer dans quelle poubelle où est-ce que les Vlad et Nikki se sont débarrassés du Happy Meal. Et je crois que c'est celle-ci. C'est cette poubelle là les gars. Oui, c'était juste à côté du Ronald Land, juste là, et la poubelle elle est là. Donc là normalement j'ai... Ah, ah bah regardez, regardez les gars. Attendez, je vais le récupérer, je vais le récupérer. Oh, ça pue là-dedans. Oh, ça pue dans la poubelle. Oh, je m'ose même pas mettre ma main pour récupérer le Happy Meal. Regardez. Oh, ok, allez, 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 allez. Oh, c'est bon, oh, c'est bon. Oh, mais qu'est-ce que ça pue dans cette poubelle? Mais qu'est-ce que je ferais pas pour vous les abonnés, les gars? Non, sérieux, quoi. Bon, allez, on reprend le Happy Meal, on remonte à la voiture, allez. À la voiture les gars. Bon bah ça y est les gars, j'ai le fameux Happy Meal que Blippi aurait vilainement trafiqué. J'ai bien envie de savoir qu'est-ce qu'il a trafiqué dans tout ça les gars. En attendant... Oh, ça pue! Non mais sérieux les gars, ça sent mauvais! Non mais attends, bah c'est normal, je l'ai récupéré quand même dans la poubelle les gars, ça c'est pas étonnant. Bon, on va quand même faire l'effort de l'ouvrir les gars. Oui, je suis curieux, désolé, je suis trop curieux les gars. Allez, let's go, on va l'ouvrir ensemble les gars. Oh purée, voilà, franchement je sais pas encore dans quoi je m'embarque, mais vas-y, je suis curieux. Allez, je l'ouvre. Les frites, qu'est-ce qui s'est passé sur les frites? Je vous montre, attendez, je vais vous montrer les gars. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le paquet de frites? Oh, aïe, 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 aïe. Ah, Blippi, il a fait des bêtises. Ah, Blippi, il a fait des choses qu'il fallait pas faire. Ah, ça, j'y touche pas. Ah, non, non, j'y touche pas. Non, 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 non. Ah, non, non, non. Ah, mais franchement, Blippi, il est terrible en ce moment. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête, les gars? Je le savais que ce Happy Meal était dangereux. Eh oui, oui, oui. Mais Blippi a fait des bêtises. Attendez, le sandwich. Le sandwich. Ah, mais oui, le sandwich est touché aussi. Regardez, il y en a partout sur l'emballage. Bon, je vais quand même me permettre d'ouvrir l'emballage du sandwich, les gars. On va vérifier ça ensemble. Attendez, je l'ouvre.
On va l'ouvrir ensemble, les gars. Et je vais pas le manger. Je vous le dis, non, je vais pas du tout le manger. Je vais pas y toucher. Je vais simplement inspecter, les gars. Bon, comme ça, de première vue, le sandwich a l'air plutôt appétissant. J'aurais même envie de croquer dedans. Oh. Non, franchement, le sandwich, là, rien à dire. Jusque-là, ce Happy Meal, c'est la catastrophe. Mais là, le sandwich, non, franchement, je valide. Mais on va l'ouvrir, on va inspecter ce qu'il y a à l'intérieur, les gars. Oh, bah, regardez, on a le cornichon, le ketchup, le cheddar, le steak haché. Et en dessous, on a... Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Hey! Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les gars? Non, les gars! Oh, regardez! Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais les... C'est des punaises! Le sandwich est piégé par des punaises! Ah ouais, non, mais là, une chose est sûre, c'est que Blippi a véritablement piégé ce Happy Meal! Il voulait véritablement piéger Vlad et Nikki! D'une façon abominable! Oh non, mais les gars, je vous assure que si vous croquez dans ce sandwich, vous auriez la gorge ensanglantée! Oh non, non! Heureusement, je vous le dis, que je me suis pas laissé séduire par ce sandwich! Oh, il avait l'air tellement appétissant en plus! C'est ça, c'est véritablement un sandwich piégé! Ah non, j'y touche pas! Attendez, dans la boîte du Happy Meal, qu'est-ce qu'il nous reste? Oh, les gars, regardez, je crois qu'il nous reste des bonbons. Il y a des bonbons, les gars, attendez, je veux voir ça, oui. Oh, il y a des bonbons Haribo. Alors ça, je crois bien que c'est la seule chose sympathique de la part de Blippi. Attendez, non, c'est pas normal, non, il y a sûrement quelque chose de mauvais qui se cache derrière tout ça. On va l'ouvrir, les gars. Oh non, j'en ai mis partout dans la voiture. Oh bah regardez les gars, c'est des petits crocodiles. Bah là franchement, c'est la petite touche sympathique de Blippi. Bon, allez, j'aime bien les crocodiles. Oh ouais. Hein? Oh, ils sont dégoûtants. Véritablement dégoûtants. Qu'est-ce qui se passe avec ces bonbons? Je vais vérifier sur le paquet. Non, c'est une blague. C'est des bonbons périmés. Mais oui, les gars, la date, c'est écrit que c'est des bonbons périmés. Ah, oh, je me doutais qu'il y avait quelque chose de mauvais derrière tous ces bonbons. Non. Ah non, c'est horrible. Franchement, ce Happy Meal est véritablement piégé de A à Z, les gars. De la frite jusqu'au sandwich et jusque même les petits bonbons. Tout est empoisonné. Ok, bon, les gars, je pense que Blippi voulait véritablement empoisonner et éliminer Vlad et Nikki. C'est terrible, les gars, franchement. Non, mais Blippi, là, il est prêt à tout pour éliminer la concurrence. Je pense que sur la chaîne YouTube, nous allons tout faire pour protéger Vlad et Nikki de la terreur de Blippi. Et oui, bon, en attendant, les gars, restez bien connectés sur la chaîne YouTube. Pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas encore déjà fait. Ça vous ne permet de ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont arriver.